Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entend le cri de nos cœurs. Adonai, entend le soupir de nos âmes. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango, bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezwi moko ekena ye, pe ezongisi ye te. Po liwa eyebi bakondi te, eyebi sema me. Po liwa ekotatola makita suka ya bomoi na motwe. Eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobalobaka te soki moto na nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima. Oh, liwa, eyebi mbongo te, eyebi ba pokwe te, eyebi ba balani te. Ezala ki na voix moko très puissant sur la terre, azala ki na mwana na yalinga ki mingi, kombo na ezaki rein soleil, alika ki ete soki akufi, ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Kolomoko balali pe balamuki a mwana oyo akufi oliwa eyebi se mabe soki liwa ebaki mbongwe te bawa bakufaka te bariche bakufaka te o te bakondi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe te papa nanga akufaki te mama nanga yakufaki te o eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolimbisa te eyebi helaka te o eyebi se mabe eyebi se mabe soki liwa ebaki minduke te basoda bakufaka te kolo. Fuck.
péché à la réalité. Les alliés c'est pas mal. Parce que les salaires du péché, c'est la mort. Je fais tout. Je fais tout. Je fais tout.
sœurs, aux hommes de Dieu. Maman Bernadette était une chrétienne. Elle était dans une communauté et la communauté, les responsables de la communauté sont dans la salle. Ils veulent rendre grâce à Dieu. On peut leur donner la possibilité de faire des séances de prière qu'ils ont l'habitude de faire dans leur communauté. Amen. Amen. Élevez nos voix, dire merci à Jésus pour ce moment. Élevons nos voix, disons merci à Jésus. Saint-Esprit, nous te célébrons, Seigneur Jésus. Quand tu as dit toutes choses, tu trouves au bien de ceux qui avaient Dieu. Seigneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour nous avons besoin de toi. Que tu nous assistes, Seigneur. Que tu nous soutiennes, Saint-Esprit de Dieu. Lève-toi ton nom encore une fois. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, éternel Jésus. C'est dans le prier. Amen. Nous invitons à la voix de la chorale. Alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, à mon Jésus, amen, à mon Jésus, amen, à mon Jésus, amen, alléluia, amen, célébrons Jésus, amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne nous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restons pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal à donner à la voix d'un archange.
et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premiers aux morts. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parole du Seigneur. Amen. Pour tout ce que tu permets d'arriver dans nos vies. En accord du livre de 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Père, merci pour tout ce que tu permets que ça arrive dans nos vies, Saint-Esprit, élève ta voix, rends grâce à Dieu. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au huitième. La Bible dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si, du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Enfin, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier. Cette fois-ci, on va prier comme ceci. Père, au nom de Jésus, console le cœur de chaque membre de cette famille et fortifie chacun d'eux par ton esprit. Ésaïe 41, le verset 10, la Bible dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Bien-aimé, avec cette parole, nous allons demander à Dieu de consoler le cœur de cette famille de cette façon. Père, au nom de Jésus, console le cœur de chaque membre de cette famille et fortifie chacun d'eux par ton esprit. On a compris le sujet, élevons tous nos voix, demandons la consolation de Dieu. De cette famille, cet esprit de Dieu, ce toi le Dieu de la consolation. Chaque membre de cette famille, papa, console le cœur de chacun de l'éternel des armées. Cet esprit de Dieu, qu'il y a la consolation. Papa, nous demandons la consolation. Papa, nous demandons la consolation. Au nom puissant de Jésus, Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. À toi seul soit l'honneur, la louange, l'adoration. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Oh, on a la Yeah.
de ma mère. Elle aimait beaucoup la prière. Femme de conseil, elle conseillait tous les enfants et petits-fils, ainsi que les enfants spirituels. Elle n'aimait pas du tout le désordre, car elle aimait bien l'ordre dans tous les domaines. Maman prenait tous les enfants au même niveau. S'il fallait blâmer ou conseiller, elle le faisait. Mais après que l'arche est partie de la maison, le 25 juin 2023, elle a reçu une vision où elle a vu un homme habillé tout en blanc qui lui disait « Mosala na yo malam, et komitango oyo okende kopema, zwa li futi na yo yangoyo. » Et le 25 décembre, lorsqu'elle a reçu ses enfants, ses petits-enfants, pendant qu'on faisait les vidéos, elle disait « Le jour de ma mort, ne pleurez pas, comme les moutons, louez Dieu, chantez, ne portez pas le deuil. » C'était une femme de foi. À ces dernières heures, elle a crié ce jour-là le nom de Jésus 3 fois. Jésus, Jésus. Elle était déjà même partie. En conclusion, j'aimerais dire à nous, chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, de s'accrocher au Seigneur, avec le Seigneur jusqu'au bout. À ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, pensez-y, car les temps sont proches. Maman, repose en paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas encore élever ta voix, tu vas demander à Dieu de t'envoyer une petite parole. Alléluia. Car nous savons que la vie, c'est par la parole de Dieu. Il a dit que l'homme n'aura pas seulement la vie à travers le pain ou encore à travers le manioc, mais c'est à travers la parole qui vient de l'Éternel. Pour ceux, tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, je veux entendre la parole de la vie éternelle ce matin. Élève ta voix et fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Tu étais avec Dieu et la parole est Dieu. Tu as dit, en elle était la vie et la vie était la lumière récente. La lumière, lui, dans les... Seigneur, éclaire les vies par ta parole. Accorde encore à nous qui sommes restés, Seigneur, que ta parole nous montre la route, que ta parole nous montre glorifier au nom puissant. Heureux les morts qui sont morts dans le Seigneur. Alléluia. Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur. Parce que nous savons que tous nous allons passer par le même chemin. À moins que Christ revienne maintenant, comme on nous a lu sur la première lecture biblique. Alléluia. On a dit que ceux qui sont morts, ils nous ont pas au fait d'évancer. Alléluia. Pourquoi? Parce que à l'arrivée de Christ, ils vont ressusciter ensemble avec nous. Et nous ne serions pas enlevés avant eux. Ils seront d'abord ressuscités et ensemble, nous allons être enlevés pour le ciel. Et au cas où Christ ne revenait pas maintenant là, nous sommes appelés à passer par le même chemin pour aller dans le lieu de repos. Alléluia. Nous allons voir la parole de Dieu dans Ecclésiaste 8. Le verset 8. La Bible dit ici, il dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Alléluia. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. C'est-à-dire que si ça dépendait que de la volonté de l'homme, il n'allait pas mourir. Mais cela ne dépend pas de notre volonté. Parce que si on te demande, bon, mon frère, je veux que tu puisses mourir aujourd'hui, tu vas refuser. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que cela est indépendamment de notre volonté que cela arrive. C'est-à-dire que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sous le joug de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saura sauver les méchants. Il n'y a aucune délivrance dans ce combat. Au nom de moi, il y a pour délivrer. Si Dieu dit que c'est un jour, il n'y a plus de délivrance dans ce combat-là. Et même si tu étais mauvais, comme il dit que la méchanceté ne pourra pas délivrer l'homme. Même si tu étais méchant comme moi, même si tu étais sorcier comme moi, si tu étais magicien comme moi, cela ne pourra pas te délivrer. Sinon pas, les hommes qu'on appelait des grands maîtres n'allaient pas mourir. Alléluia. Mais ils sont tous passés par là parce qu'il n'y a aucune délivrance. Quand leur arrive, c'est fini pour toi. Mais ce que nous devons retenir dans ce fait, c'est que notre passage sur la terre est pour nous un moyen de préparer la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le temps que nous vivons ici sur la terre, c'est pour nous le moyen de préparer la vie éternelle. Parce que après ici,
il n'y a plus les... Soit tu as préparé ton chemin pour la vie éternelle, ou tu as préparé ton chemin pour la mort éternelle. Il n'y a plus d'espoir que non, quand je serai mort, peut-être on va prier pour moi, je serai sauvé, j'irai au ciel. Non, ça ne peut pas arriver. C'est de ton vivant que tu dois choisir le chemin. C'est pendant que tu es encore coté parmi les vivants que tu dois choisir consciemment de suivre le Seigneur ou de ne pas suivre le Seigneur. Parce que c'est dans ce choix-là que tu dois faire maintenant qui va te donner la vie éternelle. Alléluia. L'existence de l'homme n'a qu'un seul but. Peu importe ce que tu peux avoir, peu importe les choses que tu peux acquérir. Mais dans Deutéronome 30, 19, il a dit que je mets devant toi. Alléluia. C'est un choix que tu dois faire. C'est un choix que toi-même tu dois choisir là demain. Si tu dis que moi je ne veux pas pour moi prier, je ne veux pas suivre le Seigneur, je vais suivre les fétiches, je vais suivre telle chose, je vais suivre les marabouts, oui, c'est ton choix. Mais sache qu'après cette vie-là, il y a la mort éternelle si tu choisis cette vie. Et il n'y a plus de salut. Alléluia. Hein? Il n'y a plus de salut. Donc notre espoir doit être sur le Seigneur. Et on vit ici que le danger, c'est d'achever la course de la vie sans Jésus-Christ. Ça, c'est le danger que tout homme peut courir. Parce qu'il y a le salut en aucun autre nom. Qui c'est Robi qui s'est ôté? Zéla mon côté est Robi qui s'est ôté. Moto mon côté est Robi qui s'est ôté. Mais dans Jean 3, on a verset 16. Alors, lui, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Tu veux recevoir, être dans le repos, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour notre maman, telle que nous avons écouté le témoignage. Elle a passé sa vie devant le Seigneur. Elle nous a montré le Seigneur. À chaque fois, quand elle était à l'église, alléluia, hein? Quand elle me voyait à la fin, ceux qui battent en main, c'est vraiment une personne qui aimait l'autre. Ceux qui battent en main, ils bossent, ils ont été à l'église, ils ont été à l'église. Papa, pour ça, la bête, c'est un protocole. Hein? Alléluia. N'est-ce pas, priez, les gars, on va passer en main. Et il y a beaucoup de choses aussi, c'est moi, je l'appelais toujours la plus jeune. Alléluia. Amen. Vous voyez, je disais toujours la plus jeune. Pourquoi elle inspirait la joie. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est que la paix que Dieu peut donner. Ce n'est que la joie que même jusqu'à Nassou Kanaye, même quand elle a commencé à partir pour la gloire du Seigneur, au moins elle était allée à Mawade. Bateau basé avec l'hôpital, comment je suis arrivé à l'hôpital, après je suis reparti, à tout le monde, ma question bolembi. Ça montre une personne qui a servi le Seigneur. Alléluia. Ça montre une personne qui a marché avec Dieu. Et ça, c'est la vie que seul Dieu peut donner si nous sommes dans le Seigneur. Et ces moments, nous parlons de cela jusqu'à ce que nous avons dit ça. Parce que tant qu'on a des alliés, on a la possibilité de faire des alliés. Et ça, nous avons dit que nous avons dit que nous avons vivre dans les alliés. Alléluia. Il n'y a pas une vie qui dépasse. Il n'y a pas une vie qui a la joie telle que cette vie. Il n'y a pas une vie qui apporte le bonheur et la paix telle que cette vie. Alléluia. Et nous avons beaucoup demandé comment elle a élevé les enfants dans le Seigneur. Elle se retrouve dans la paix et dans la joie. Pourquoi? Parce qu'elles ont été élevées dans le Seigneur. On nous dit ici que les possessions, les positions que nous avons ici sur la terre ne peuvent pas nous garantir l'éternité. Tu peux avoir que vous allez La Bible nous parle de ce riche fou, alléluia. Ce riche est censé. Tu mets des espoirs. Mais Dieu peut t'enlever au milieu de ces choses-là, tu abandonnes ça. Alléluia. Il n'y a rien que tu vas pouvoir apporter que non, Ça veut dire que non, la meilleure chose à voir, il a dit que à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il peut perdre son âme? À quoi ça sert à une personne de gagner toute la vie, de gagner toutes les possessions? Ce qui n'a souk à moli mon aïe. C'est que tu dois veiller pour sauver, c'est ton retour au salut, prendre soin, c'est ta vie éternelle, garantir cela, préserver cela. Pour être mokolo ya souka, yangonde les alli du tomba au zunyoso, yangonde les alli couronne ya gloire au chocolat. Mais ce que vous jouez en beaucoup d'autres disent que non, Nassima, bon moi, monsieur Zali, bon moi, monsieur Zali, bon moi, Zaka, bon moi, c'est gros, couffé au canobi manapoto, au couffé au canobi manapoto, au canobi messica mokoti. Alléluia, au canobi messica mokoti.
Alléluia. On va lire Hébreux 9, le verset 27. Au Canada, Hébreux. Comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Il est réservé aux hommes de mourir combien de fois? Une seule fois. Donc il n'y a pas autre chose qui n'a confié à la porte, la confie, c'est bon, la moté m'a déjà héros. Alléluia. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi viendra le jugement. Après quoi viendra le jugement? Mais jugement, on est beaucoup taillé. Et samedi, c'est le on est beaucoup taillé. On a un bon zambé ou bien beaucoup taillé. Quand il n'a pas de bloc à mon. Alléluia. La mort n'est pas un problème. L'apôtre Paul a dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort, c'est un gain. La mort n'est pas un problème. Pour nous, les chrétiens, mourir, ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Nous ne mourrons pas peut-être avant d'accomplir le nombre de nos jours. Parce que c'est beaucoup précoce. Il n'est pas parti de façon précoce, mais il a accompli le nombre de ses jours. Alléluia. Tout ce que nous savons, c'est que nous ne pouvons pas mourir avant le nombre de nos jours. Mais pour nous, la mort, ce n'est pas un problème. Parce que si nous vivons, c'est pour Christ. Nous n'avons pas d'autre intérêt pour la vie. Notre intérêt c'est Christ, alléluia. Et pour nous mourir c'est un gain. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans le corps de la gloire. Alléluia. Nous revêtons le corps de la gloire. C'est pourquoi nous ne regrettons pas. Et tout le monde doit être dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Tout le monde doit être dans l'allégresse, telle qu'elle-même elle avait dit le 25 ans. Alléluia. Quand on a Et ça, c'est la mort dans le Seigneur. Nous célébrons. Pourquoi? Parce que pour nous, la mort, c'est un gain. Pour nous, la mort, c'est une victoire. Nous avons achevé notre course. Nous allons dans le repos pour attendre le retour du Seigneur. Alléluia. Je vois quelqu'un recevoir la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme on nous a dit, il n'existe pas d'espoir de salut après la mort. Le salut, ce n'est que du vivant. Alléluia. Le bic, vous avez attendu vous en avez un. Le salut est individuel. Alléluia. Madame, si tu pries, tu pries, tu pries. Mais ceux qui ont encore d'abord, nous disons qu'ils ont été priés, ils ont été tombés. Alléluia. Et c'est que nous avons encore d'abord, quand nous avons l'an d'Azambé, nous avons eu un Zambé, nous avons eu un Zambé. Alléluia. Et enfin, on nous dit, tu dois choisir toi-même. Tu dois pouvoir faire le choix. Ce matin, on te donne encore la possibilité de faire le choix. Comment faire le choix? C'est simplement donner ta vie à Jésus-Christ. C'est simplement accepter de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pourquoi? Parce que mon koloyasuka tant que koyaka ose à la case na bon mode, ose à la case na mignon côté, ose à la case na kolelate. Alléluia. Parce que bien vu que mon koloyasuka ose à la mokolo ya passe et ose à la mokolo ya mignon ko pona bato ba yebi nzambe. Mais pona ba o ba zakati na nzambe za mon koloyasuka. C'est le jour où la trompette est en train de sonner. Nous sommes en train de danser le jour de la gloire. Ce n'est pas le jour des pleurs. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un jour de gloire pour notre maman. Pour être assis, ces courses, les quatre, les amis, pas comme au canapé. Les amis, mon kimia, les amis, mon colère. Et toi aussi, tu peux rentrer dans le repos là. Pourquoi? Parce que le salut, c'est dans aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Comme on a eu les amis, comme on a l'oubli. Malobi, dans mon canapé, Romain, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ. Tu crois dans ton mort que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est alors que toi aussi tu es sauvé. Pourquoi? Parce que le combat c'est contre la mort. Alléluia. Amen. Mais il a dit que si tu crois au Seigneur Jésus, que ce qu'on dit, c'est que je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Motomo kote akomona lola soki aliki na nzana Yesu te. Motomo kote akomona nzambi soki azui nzela na Yesu Masia te. Yende moto azali bomo. Alléluia. Et nous sommes déjà vers la fin de cet enseignement, mais l'opportunité que je vais te donner, si toi aussi tu es là ce matin,
Tu es venu. Tu n'es pas venu pour pleurer parce que si nous ne pleurons pas, nous célébrons la vie d'une servante de l'Éternel. Alléluia. Si toi aussi, tu veux recevoir cette vie, la vie de Christ, la vie éternelle, tu peux simplement lever ta main là où tu es. Moi, je vais prier pour toi. Alléluia. Oui, merci Shada. Au nom puissant de Jésus. Au nom majestueux de Jésus-Christ. Enfin, tu vas faire une prière, tu vas prier pour la famille. Alléluia. Au Kobon de la Pona, Libota, Pona Banda, au Batikali, Yalobek et Yazali défenseur de cette famille. Alléluia. Au Nyon so Batikali, te recommander Bango Namabokon. Na combo na yesupe na loboko no yanguya bate la bango eza na butu eza na moyi miso moko te amabe ko mona bango haleluya moto moko te amabe akote mape akolongi sabango le yonde zala pe moto moko te amabe akote le mape akolonga bango yonde zala mobundi na bango. Si tu as compris, élève ta voix et fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père éternel des armées, dans le nom puissant de l'entre des saintes mains, merci Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Il a dit qu'il est le mari de veuve, il est le défenseur des orphelins. Émerger de cette famille afin de sauver plusieurs personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc au bisoto. Bye.
Nous serons dans la joie,
ce village, je ne suis qu'un passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci Jésus-Christ, merci Père éternel des armées. Sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois glorieux. Sois sanctifié, sois élevé, Père éternel des armées. Merci Seigneur. Amen. Avec la foi et dans l'espoir de la résurrection à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous engageons le corps de notre bien-aimé sœur, Isa Bernadette, à la terre mère. Tu es poussière et tu retourneras la poussière. Et j'ai entendu une voix du ciel qui me disait, bien-aimé, les morts qui sont morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent les travaux et les œuvres les suivent. Éternel des armées, nous te bénissons pour ta servante, pour sa vie, pour son œuvre au milieu de nous. Nous te célébrons pour son engagement dans ton Église, pour l'héritage qu'elle a laissé, pour les servantes, les serviteurs qu'elle a laissés. Seigneur, tel que tu l'as dit, que ses œuvres la suivent également. Et nous avons l'espoir, nous avons l'espérance, la foi, qu'au jour de l'enlèvement, au jour de la résurrection, nous serons revêtus dans le corps de gloire afin de te célébrer. Sois béni Jésus pour ce lieu de repos provisoire, soit magnifié, soit glorifié, et que ton esprit veille sur ce lieu. Jamais. Et que ce lieu soit un lieu de repos véritable pour notre amour. Sois béni, soit célébré, soit magnifié, Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra comment? Nakosa la nini pona nzoto nana, asilikosa la pena lemi. Nakosa la nini pona nzoto nana, asilikosa la pena lemi. Nzoto yo singa kinga yelamba, nzoto. Toto yo sena ki nga iwa teni tobare na kuti sakio. Asilelo yo toto, toto, oke ina lilita. Ope singata mesite, nanyoso, asale liyo. Zoto sena ki na ibasi ya pembe nai pesa kio. Sena ki na ya mwindu ya mukuse ya molai pesa kio. Usaya zoto sena ki na i zoto salela kio. Asile loyo toto, toto, okay na lilita. Ope singata mesite, nanyoso, nasale liyo. Toto na ngai, toto na ngai, toto na ngai. Zoto sena kina idiambae, zoto shimbok na pesa kio. Shishato bilamba mkuse, zoto na pesa kio. Motoka ndenge na ndenge ya shere, mwasher zoto na pesa kio. Zoto sena kina ikabelo e, zoto
pesa ki yo ma voyage kili kili pousa na yo soto asale la ki yango asile lo yo soto soto oke ina lilita ope singata merci te alionso asale liyo soto nanga soto Oki singa soni Nako sala nini pona nzoto nga Nasili ko sala pena lembi Nako sala nini pona nzoto nga Nasili ko sala pena lembi Toto singa kinga inyo soe Toto Pesa kio Zoto senga kinga ibana e Zoto Abota kibango Zoto senga kinga ibambongo Zoto Pesa kio Kinuma o senga kinga I Zoto Nasala kiyango Kuibato kuluna o senga kinga Zoto Sala kiyango Kuiskroke bato tango nyo sonzoto Ngayi Napesa kiyo Kubuma bato tango nyo sonabututu na moyi Toto Sala kiyango Asililo yo toto Toto Keina lilita Besi ngata versite Nanyoso Sale liyo Oh, zoto nanga Zoto Oyo kisi nga soni Zoto nanga hi Zoto nanga hi Zoto singa kingana singa kisi ye Zoto Sala kiyango Zoto tinda kingana buzoba ye Zoto Sala kiyango Zile loyo nzoto Zoto Odesevoir nga Olobaki na kota na isika bata minene mazala kanzoto Na kota kie Zile loyo nzoto na ngai Quelque fois Sa volonté Est contraire À nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons. Sa volonté, si moi je désire sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Dans une corbeille imbibée de bitume Et le mini sur un lac plein de crocodiles Plein de crocodiles Bien que bizarre, c'était la manière De Dieu de le protéger Mais à la fin du chemin Fut le grand libérateur d'Israël, d'Israël. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté.
volonté, de sa volonté, moi je désire tout dans ma vie. Général Nama vint en Israël pour guérir de sa maladie. Élisée demanda qu'il aille se plonger dans les eaux du Jourdain, les eaux sales du Jourdain. Mais comme cela était contraire à son désir, il résista, mais quand il appliquera, il découvrit la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur. Matanga, si il est long, parce que la minute où tu as dit, beaucoup de joie, pour ça, comme il est moi, maï, pour que vous qui sabotez ma moi, mon équipe. Alors, Oya Melima Imana, Adjonga Boke Boke, et pas Yavana. Kasi Namokona Lobby, 13h, Tokokutana, Nalikita, to conseil de famille, Namasimo, Nalikita Lina, Nabengami, Babokilo, Otatana Bomama, Bino Mandala. Oui, à peine à Bino, Polanda Maye, Makonika Kuna. Nawana, Tokosukisa, Bobele, Bobele, Maman, Kotema, Pananda, Kuya, Biso, Souka, Bobele, Bibela. Et merci. Pourquoi il a mot, Matoni Malike, Kimia Pemogoto, Okea, Mabota Babino. Merci. Si moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Ami et connaissance, il y a quartier Mama Zalaki, Baroyo Bazali Awanasa, et puis Bandekope, il y a église Yaye, Oyo Balandier Awa, tous en a besoin Nabino, toi et ma nombre, ce que vous avez besoin, toi et ma déni, tout vous avez à disposition, il y a quand même Abino Namasek, parce que Zali, moi, responsabilité Nabiso, tout le côté Kabino Awate Namugali. Donc, Oyo Bazali, Bauti Masego, ou Babozoma Namasego, Balukaba Monanga, Naye Banon. Et l'église, je pense que Pasteur Bazali Awa, Tolingito et Bapé, Bandekwa Église, ou que Toye Maneni Togozonga, Bissonio Sonamasego. A invité ceux qui to Yokan Malam. Job a perdu tout ce qu'il avait, ses biens et tous ses enfants, mais il affirma, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie.
Joseph fut arraché à l'affection de son père et vendu à des marchands. Mais à la fin du chemin, il fut le plus grand intendant de Pharaon. De Pharaon. Ainsi moi je désire que sa volonté. Que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Quelquefois il y a des choses qui arrivent dans ma vie qui semblent contraires à ce que je veux. Mais je dois m'y soumettre parce que c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pourquoi. Chaque chose arrive. Même Jésus descendant le chemin de la rédemption, il voulut se dérober de sa volonté, sa volonté. Mais Dieu lui envoya un messager qui descendit du ciel pour le fortifier.